Bien, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. C'est l'avant-dernière conférence pour les enfants. Sinon, nous avons encore trois conférences ensemble, puisque la semaine prochaine, ça sera la dernière de notre déconfinement. On aura bien profité 10 conférences pendant le confinement et 10 conférences pendant le déconfinement. Alors, nous allons découvrir aujourd'hui un extrait du concert du 22 avril prochain, puisque mon rôle, et puis bien sûr, ce que nous essayons de partager ensemble, c'est de vous donner envie d'aller au concert de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg la saison prochaine. Et là, pendant le concert du 22 avril, eh bien, vous aurez un extrait du Carnaval des animaux. Alors, cette pièce qui a été composée en 1886, eh bien, nous dévoile beaucoup de choses. Et vous le savez, nous sommes une conférence interactive, donc allez-y, n'hésitez pas parce que je vais vous poser pas mal de questions, vous allez devoir essayer de deviner quels sont les animaux. Et aussi, il va y avoir une double participation, parce que nous allons avoir d'un côté des questions pour les enfants, donc là un petit peu plus facile, mais tout le monde peut aussi bien sûr répondre, et puis d'un autre côté, à chacune des questions, eh bien, il y aura aussi une question pour les adultes. Donc là, ça sera assez amusant d'essayer de pouvoir le faire. Allez, on ne perd pas de temps, cette découverte. Déjà, je vais commencer par vous faire écouter 3 extraits. La question pour les enfants, d'après vous, quels sont les animaux? Donc, vous allez les avoir sur votre image. Hein, donc, ça va être très facile, bien sûr, de les reconnaître. Est-ce que ce sont plutôt les tortues? Est-ce que c'est plutôt l'aquarium, donc les poissons, ou est-ce que ce sont les poules et les coqs? Et puis évidemment, la réponse ne suffit nullement. Non. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi? Le choix des instruments ou encore le rythme? Qu'est-ce qui vous dit que ça pourrait plutôt être les poules et les coqs ou encore l'aquarium, donc les poissons, ou encore les tortues? Et puis, en ce qui concerne, maintenant je ne vous le dis pas parce que sinon vous allez deviner, mais la dernière écoute, il va y avoir une question pour les adultes et la question des adultes sera toujours la même pour chacun des extraits que nous écouterons. Mais d'où vient, est-ce que Saint-Saëns a copié une mélodie commune et connue et d'où vient-elle? Allez, c'est parti, nous avons 30 minutes de chrono pour cette séance un peu tout à fait interactive, mais aussi divertissante, une séance bien sympathique que j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à travailler pour vous, à préparer pour vous. Ce n'est pas du travail parce que ce n'est que du bonheur. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts. On écoute l'extrait numéro 1. Et vous répondrez, si vous le voulez bien, numéro 1, tortue, ou numéro 1, aquarium, ou numéro 1, les coques, coques et poules, et puis numéro 2 et numéro 3. Et c'est seulement avec le numéro 3 qu'il y aura la question pour les adultes. C'est parti! Thank you.
y a la question pour les adultes. D'où vient cette mélodie? Alors, on salue bien sûr Bérénice, Bérénice avec sa maman Bernadette. Vous êtes plus que fidèle. Et Bérénice a trouvé en effet qu'elle avait l'impression que les coqs et les poules caquettent. Et en effet, c'est un rythme très, très rapide et c'est le côté rythmique qui nous fait dire que c'était sans doute les poules et les coqs. Cette espèce de caquetage concertant avec la clarinette, c'est un morceau un peu de bravoure, un peu ironique aussi, avec une sorte de déséquilibre. Bérénice a aussi trouvé que le deuxième, c'était l'aquarium. Pourquoi ? Parce que Bérénice a dit que le style, le genre était très, très fluide. En effet, on ne peut pas imaginer se presser, se bousculer dans un aquarium. Tout est très lié et la musique est fluide. C'est tout à fait juste. Et alors là, c'est incroyable parce que Bernadette, je lis aussi qu'elle a répondu, mais il ne faut pas tricher, il ne faut pas aller chercher sur Internet hein, parce qu'elle a répondu pour la question des adultes. Mais pardon, je reprends quand même nos tortues et les tortues aussi sont de façon un morceau très très lent. Donc bravo pour le premier morceau, bravo pour le deuxième et bravo aussi à Bérénice pour le troisième. Quant à la question pour les adultes, alors j'aurais aimé qu'on réponde encore une autre personne, si toutefois elle pouvait répondre d'après vous, c'est quel extrait? Il y a Bernadette qui écrit qu'elle ne trie jamais. On vous croit, Bernadette, bien sûr. Je suis désolée d'avoir dit ça. J'étais juste un petit peu étonnée que vous l'ayez reconnue. Eh bien, écoutez de quoi est tiré ce morceau. Et bravo pour votre culture, Bernadette. Vous m'impressionnez beaucoup. Alors, on écoute encore. Beaucoup plus rapide cette fois. Vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est le final de Orphée aux Enfers. C'est ce qu'on appelle le cancan, mais attention, à l'époque, c'était plutôt le chahut. C'était une danse qui était dans les bouges, que l'on pouvait trouver dans les bouges parisiens. Une danse qui venait d'ailleurs d'Algérie. Et elle faisait tellement de bruit, c'est pour ça qu'on parlait de cancan après, de chahut aussi, mais en fait c'est un galop, hein, la forme musicale à l'époque, c'était un galop. Eh bien il fallait à chaque fois que la police intervienne. Cette danse effrénée sous le nom de galop est devenue le galop infernal, mais nous on le connaît plus évidemment sous le cancan, et je dirais même le French cancan. Mais attention, il faudra attendre 20 ans après la mort d'Offenbach pour que le French cancan prenne son apparition au Moulin Rouge, illustré par Toulouse-Lautrec, et que ces dames relèvent leur jupe. Donc attention, ça ne date pas de la création d'Orphée aux Enfers d'Offenbach. En tout cas, bravo vraiment, vraiment bravo à
à Bernadette d'avoir trouvé. Et puis, il y a Emmanuel Servetti qui avait trouvé aussi que c'était la tortue. En effet, c'était les tortues avec un mouvement très, très lent. Donc, vraiment, je vous remercie pour votre participation et je vous félicite d'avoir tout trouvé. Allez, on continue. C'est parti pour la deuxième série. Alors là, on reconnaît quoi? On reconnaît un éléphant, on reconnaît des kangourous, on reconnaît sinon le cygne. Là, vous avez la question pour les adultes également. C'est parti. Ah, zut. Allez. Allez. Oh. Allez, je vais faire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est l'orage qui fait rage à Strasbourg, qui nous empêche de passer ce dernier extrait, mais ne vous inquiétez pas, on a toujours des solutions de secours. Donc, on écoute le dernier extrait. C'est parti.
Alors, il est. Le voilà. C'est parti, nous écoutons le dernier extrait. En tout cas, nous essayons. De reprendre la parole. En effet, vous avez tous reconnu que ça soit Bérénice, que ça soit Emmanuel ou Emmanuel avec un seul E ou encore Danaël. Vous avez reconnu que c'était le premier, le signe. Et pourquoi le signe? Parce que c'était gracieux. Vous avez dit que c'était gracieux. Vous avez dit aussi qu'il était majestueux parce qu'il glissait sur l'eau. C'est vrai que musicalement parlant, ne serait-ce qu'avec l'accompagnement, on peut imaginer cela. Même si Emmanuel Gauthier nous a dit que l'éléphant, eh bien, il pouvait aussi être gracieux quand on voit son image colorée ainsi, c'est vrai. Ah, maintenant, j'aurais aimé que vous deviniez quel était le morceau. Donc là, vous avez reconnu le signe, vous avez reconnu les kangourous. Les kangourous, par contre, Danaël ne m'a pas expliqué pourquoi il pensait que c'était les kangourous. Là, il faudrait peut-être voir un peu. Quant au dernier, l'éléphant qui a eu beaucoup de mal à venir, un petit peu parce que c'est l'orage de Strasbourg qui nous empêche d'être plus rapide, eh bien, vous avez trouvé aussi parce que la mélodie était très grave et Bérénice a reconnu l'instrument qui est la contrebasse. Quant aux adultes, est-ce que vous avez reconnu quelle mélodie Saint-Saëns avait un peu copié pour écrire ce morceau de l'éléphant, de la marche de l'éléphant? Eh bien non, vous ne m'avez pas dit cela. Alors on va essayer de l'entendre, j'espère qu'on va réussir et vous allez peut-être deviner de quelle œuvre vient cet extrait. C'est parti. Alors,
Vous avez reconnu, je reprends la parole, vous avez reconnu que c'était d'Hector Berlioz, de la damnation de Faust, la danse des sylphes. Alors, rien à voir, hein, parce que nous étions partis de la contrebasse, puis on arrive à un orchestre beaucoup plus léger, quelque chose qui est traité différemment. Alors, on est un peu perturbé, mais quand on écoute le morceau, après avoir entendu la contrebasse, avec bien sûr un autre traitement instrumental, un autre traitement aussi, un autre tempo, on reconnaît l'œuvre de Berlioz. Merci Emmanuel, c'est vrai qu'il faut toujours un petit peu jongler et je n'avais pas vu que la voix était coupée. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour le dernier exercice? Donc là, je vais vous faire passer que deux morceaux. Je vous dis, là, il n'y a pas à deviner puisque ce sont les fossiles. Brillant, enfin, Sophie, mais pourquoi Saint-Saëns a-t-il voulu illustrer des fossiles? Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un fossile, les enfants? Ce sont des animaux qui ont disparu. Et grâce à leur empreinte, eh bien, nous, aujourd'hui, on peut deviner à quoi ils ressemblaient. Et pourquoi Camille Saint-Saëns a voulu faire un air sur des fossiles? Eh bien, tout simplement pour mettre des vieux airs encore à la page et de pouvoir se délecter. Alors, quels sont justement ces airs à la mode? D'abord, on écoute le morceau. Les enfants, vous allez essayer de deviner quelles sont les chansons enfantines que Saint-Saëns a utilisées. Donc, j'ai bien mis un S à quelles chansons enfantines. Il y en a deux à reconnaître. Quant à vous, les adultes, donc peut-être un peu moins facile, il y a de cacher dans ce morceau des fossiles un air d'opéra et puis également une autre œuvre. Mais ce qui est drôle, c'est que cette autre œuvre est de Camille Saint-Saëns, donc il se copie lui-même. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Maintenant, nous allons écouter le deuxième extrait. Si on écoute le deuxième extrait qui est plus facile avec une question seulement pour les enfants, c'est que les enfants ont commencé mais n'ont pas fini parce qu'ils ont trouvé une chanson pour enfants, mais il y en a deux. Donc, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que Danaël ou est-ce qu'Emmanuel ou Emmanuel a deviné? Allez, allez, s'il vous plaît, à vos claviers. Les adultes, j'aimerais aussi que l'on voit quel était l'opéra, quelle était l'œuvre de Saint-Saëns qui a été reprise. Et pendant que vous écrivez, une autre question pour les enfants, eh bien, je dis bonjour à Emmanuel Crugnola qui est aussi en ligne. Voilà, tout le monde arrive, c'est sympa. Donc les enfants, une autre question, dites-moi, ce chant du coucou de la forêt, combien y a-t-il de notes sur ce chant? Et puis, quels sont les instruments? C'est parti! Thank you.
Nous écoutons maintenant comment ça a été fait avec deux chansons qui sont enchaînées, « À vous dirai-je maman » et « Au clair de la lune ». Et ces deux chansons, vous allez voir, elles sont l'une, presque enchevêtrées l'une dans l'autre. Oh, « À vous dirai-je maman, vous connaissez bien sûr. Et l'autre, c'est « Au clair de la lune, mon ami Pierrot ». Très différentes l'une de l'autre et elles sont enchaînées. Écoutez juste ce passage-là. Voilà, vous les avez entendus. Et maintenant, pour les adultes, alors pour les adultes, qu'est-ce qu'il y avait à deviner? C'est l'air d'opéra. Et là, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me dites, à part que le son, vous ne m'avez pas entendu, mais je suis à nouveau là, j'ai vérifié, parce que c'est vrai que j'essaie de couper le son quand je vous fais passer de la musique pour que ça soit meilleur au niveau sonore. Et évidemment, il faut que je rattrape le son une fois que l'extrait a été mis. Alors dites-moi, cet opéra, allez, on réécoute, vous allez voir si ça vous dit quelque chose. Quel est l'opéra? Hop là, excusez-moi, quel est l'opéra? Quel est l'opéra? Est-ce que ça vous a dit quelque chose? Eh bien, voici l'original. Alors, vous l'avez reconnu? Qu'est-ce que c'était? Eh bien oui, c'est le barbier de Séville. C'est le barbier de Séville de Rossini et c'est l'aria Uno voce poco fa. C'est assez incroyable qu'il était joué comme ça la clarinette. Et le deuxième, eh bien c'était quoi? On écoute. Quelle œuvre de Saint-Saëns d'après vous? Et là, là. Voilà, vous avez tous, enfin ceux qui ont participé, Emmanuel Gauthier avait reconnu tout à l'heure le barbier de Séville, donc bravo. Et là, c'est Bernadette, la maman de Bérénice, qui a reconnu la danse macabre. Eh bien, écoutez, je suis vraiment impressionnée par votre culture musicale, vous avez été extraordinaire. Et les enfants, est-ce que vous avez répondu aussi pour le coucou? Je vous demandais sur combien de notes le coucou était-il composé et puis aussi quels étaient les instruments. Alors, oh là, excusez-moi, je vais trop vite. Bon, c'est pas grave, on ne va pas le réentendre parce qu'il est déjà 14h30. Mais ce coucou est bien sûr deux notes. Coucou, coucou, deux notes. Et bien sûr, c'est un chant répétitif. Bien, il est 14h30. Je suis très heureuse d'avoir passé cette demi-heure avec vous, avec ces découvertes un peu, je dirais, divertissantes, puisqu'on a vu de quoi, comment est parti. Qui a mis un sens, quelles ont été ses influences. Et puis, on se retrouve lundi prochain. Donc, la semaine prochaine, ce sont nos deux dernières conférences. Donc, je compte sur vous pour pouvoir participer et d'être ensemble. Lundi prochain, nous verrons une symphonie romantique. C'est la deuxième symphonie de Schumann. Et puis, mercredi, nous allons voir Casse-Noisette. Mais oui, ces deux œuvres, que ce soit Casse-Noisette ou la deuxième symphonie de Schumann, font partie de votre programmation de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. À bientôt, à lundi prochain. Au revoir, merci beaucoup.